Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée Luigi's Mansion de HD. Logiquement, on termine le jeu ce soir ensemble. J'en étais à cette mission, on l'a fait tout à l'heure, cet après-midi. Cette mission, ça fait deux fois qu'on la recommence. Enfin non, c'est la troisième fois qu'on l'a fait, oui, deux fois qu'on la recommence. Et j'en peux plus. On a un timer à respecter. Et il faut qu'on se dépêche. On va donc se dépêcher. Allez, faut la boucler. Cette fois-ci, on la boucle. Hop, hop, hop. Qu'on passe à la suite. Ah. Allez, c'est parti. Oh. Yellow. Mm-hmm. Ciao. Donc, on va aller du côté. Attendez. Ah, je regarde un truc. Ouais, je crois savoir le cheminement. Ok. On se dépêche. Voilà, donc déjà, je vais m'occuper de l'étage numéro 1. Comme on l'a fait cet après-midi. Les gros bras, c'est parti. Alors, je commence à connaître par cœur. Non. Déjà, voilà, il faut les deux. Il me faut les deux. Voilà. Ouais, ok, il y en a trois. Venez, les gars. Je sais pas, non, j'ai pas eu l'autre. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Oui, j'en suis pris une, bien sûr. C'est normal. Mais c'est normal. Mais non. Il faut les trois, absolument. Il est où l'autre? Il est parti. Allez. Je sais pas pourquoi, parfois ça lâche tout seul. I don't understand. Yes. Pas très pratique. Je perds un temps fou. Allez, on file. Ici même. Là, c'est chiant. J'ai eu les trois. Ça, c'est bien. Mais là, c'est terrible, ça. Pourquoi ça lâche? Mais ça lâche tout seul. Je sais pas pourquoi ça lâche. Bien sûr, je m'en suis pris une, mais c'est évident que je m'en prenne une. Ok, là-bas. Allez, j'ai les trois. Allez! Ok, c'est bon ça. Est-ce qu'il reste plus que toi? J'espère. C'est parfait. On s'en va. Je vais aller en bas à gauche. Je vais d'abord aller à l'Expo Polaire. Hop! Voilà, ceux qui sont un peu les plus chiants à faire. Oui, alors, vous, il faut que je vous aie tous les deux. Attends. Ah, mais non. Allez. Ah, mais il est où ton... Il est là. Ils sont trois, en fait, et ils m'embêtent bien proprement, là. Salement. Allez, au moins un. Un en moins. C'est parfait. Ah, ils sont deux. Il y a les deux. J'en ai qu'un.
Ouais, ok. Ils sont là les deux. Yes, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est fait, donc maintenant. On va passer là. On s'occupe. Ah, mais y a pas. D'accord, y a pas encore. Y a pas encore le. D'accord. Donc cette salle qui est aussi pas terrible niveau timing. Voilà, faut que j'enlève ceci. Voilà, attention. Eh oui, vous m'embêtez les gars. Ok. Allez, dépêche-toi. Voilà, je vous enlève à toi et à toi. Voilà, c'est parfait. Il me faut les deux, il me faut les deux. J'arrive pas à avoir les deux. C'est bon, j'ai les deux. Excellent, ça c'est fait. Est-ce que... Ouais, ne baisse pas les bras, très bien. Mais du coup, quand est-ce que... D'accord. Si, ça y est. Ah mince. Ça y est. Très bien. Donc, je vais aller à droite. Le fantôme jaune. On y va vite, c'est parti. Lui aussi un peu chiant. Voilà, on va glisser sur son tas de morve. Il nous jette à la figure. Oui, oui, oui. J'ai pas trouvé d'autres moyens plus direct de le vaincre. Je sais pas. N'importe. Faut pas que je marche dessus là. Allez. Non. Bon, je sais pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tergiverser. C'est pas grave. Si tu me donnes des cœurs, moi après je suis bien. Voilà, peu importe. 35. Ah, on peut le vaincre, on peut le vaincre, on peut le vaincre, on peut le vaincre. Yes. 10 cœurs, bien sûr. Parfait, parfait, parfait. On se dépêche. La musique qui accélère, évidemment. Ah, on a les momies encore en bas. Faut être rapide, faut être vif. Ok, ça c'est fait. Plus que deux pièces maintenant. Deux pièces et on est bon. Ouais, sauf que oui. Là j'aurais dû y aller en. En part des étoiles, mais je l'ai pas. J'ai pas de part des étoiles à proximité. Tant pis. Cours mon petit Luigi. Ok, c'est parti. Il s'est brûlé. Parfait. Oh, parfait, impeccable. 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 Voilà, toi aussi. Oh non, il s'est pas brûlé. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Mais oui, je m'en suis pris une, mais évidemment. Il est où l'autre? Attendez. Ils sont où? Là? Ok, il y en a un. Tout à l'heure, j'étais plus efficace. J'étais bien plus efficace tout à l'heure. Et bah, j'arrive pas à avoir l'autre. Non, ça. Bon, c'est pas grave, on fait un par un. Ah non, c'est bon, les autres arrivent. J'attends. Yes. Et ouais, mais non. Un par un, ça va pas. Oh, c'est terrible. Je perds un temps fou. Alors que logiquement, il me reste pas grand chose à faire. Allez. Bon, je vois pas de timer, donc c'est bien, on est bien. Je crois que le timer se met en route à partir de 3 minutes, il me semble. On est plus que bien, là. Allez, on file du côté gauche. Cette salle en rouge avec le point d'exclamation.
est pas mal. Ah, c'est fermé. Ok. C'était pas une porte. C'était un leurre. Ah oui, oh là. Oh oui. Je vois. Et oui, j'avais oublié. C'est l'enfer ici. Et voilà, les autres sortent pour nous pourrir la vie, évidemment. Vas-y. Oui, c'est bien, on continue. Ah là 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 là, oh c'est l'enfer. J'en ai eu deux. Ah là là, il me pourrit la vie lui, hein. Par contre, si je meurs là, je serai assez dégoûté. Je vous dis. Non mais je vous le dis là. Stop, calmez-vous. L'autre qui sort à chaque fois, mais c'est terrible. Allez, ça ne reste plus qu'un. Peu importe. Alors toi, tu te payes ma tête. Tu vas voir. Tu vas passer un sale moment. C'est pas ça que je voulais, mais oui, je prends. Mais même si ça sert, ouais, ça sert plus ou moins à rien. Bon, ça sert quand même. 75, allez. Logiquement, on a terminé après ça. Ok, on est bon, hein. On va voir ce qui se passe sur la terrasse. Eh ben, allez, on remonte. C'est parti. Signaux étranges provenant de la terrasse. C'est bien. Trois fois, c'est plus que suffisant pour cette mission. Salut les petits gars, salut, comment ça va? Il faudrait que je vous chope tous ensemble là. 4 déjà, ouais, non, 3. Ok, il y en a partout, de plus en plus, magnifique. Ok, toi, voilà, tu as enlevé ton petit chapeau casserole, là, c'est bon. Paf, ah non, je m'en suis pas pris. Ok. Ouais, les trois en même temps? Pas du tout, j'en ai eu un. Ah, le gros bras. Oh, les gros bras. Les. Mais bien sûr. Ok. On va, voilà, on fait ça, les momies. Allez. Voilà. Voilà, oula, j'avais pas vu. Vite, je vais mourir. Ah non, je meurs pas là. Il est hors de question que je meure. Hors de question. Puis il y a les petites mouches, comme disait Octo, elles appellent les petites mouches. Attention, ouais, il y a les momies. Là, ok. Je sais pas s'il faut se dépêcher ou pas. Moi, je suis dans l'optique de se dépêcher. J'ai envie de refaire. Ok, très bien. Parfait. Toi, tu viens avec moi. Ok, il reste plus que les momies. Vous allez vous payer le mur. Allez-y, les momies. C'est parfait. Mais encore toi, mais c'est pas possible. Heureusement qu'on a pris un os. J'arrive pas à le tirer. Enlève ton truc. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a plus de timer. Heureusement d'ailleurs. En fait, ouais, je peux pas me débarrasser des momies là tant qu'il y a ça. Et ça aussi, je peux plus. Gênant.
peux plus. Non, vite, attention, parce qu'il me reste plus beaucoup de vie, même si j'ai un os. Attention, elles vont me foncer dessus. Allez, toi, toi, il faut que tu passes. Il faut que tu passes. T'as plus le choix. Voilà, ça c'est fait. Hop, voilà, je m'occupe de ça. Toi, tu viens là. Ça c'est fait. Et puis voilà, on est bien. Ah non, on n'est pas bien. De la trace. Ah, mais c'est. Mais ça n'en finit plus, ça n'en finit plus! Et oui, mais bien sûr. Je sais pas qu'elle décidait d'elle-même de courir. Paf, non, même pas. Attention, les bestioles. Ok, donc lui, j'ai enlevé son t-shirt. Voilà. Hop, attention la mouche, attention la mouche. Attention les mouches. Ah, c'est l'enfer, cette mission. C'est vraiment l'enfer, cette mission. Ok. Ouais, il y a un bouclier, attention, je me fais courser par la momie. Ah là là, ça s'est loupé. En fait, c'est... Heureusement que j'ai l'os. Je me voyais pas retourner au début de ça. Vraiment pas. En fait, c'est infini, j'ai l'impression. Non, mais ces fantômes-là, il faut que je m'en débarrasse. J'en peux plus. T'es là? C'est là, allez. Et l'autre, il va me taper dessus. Non mais... Il faut que je me débarrasse des momies aussi. Parce que là, c'est pas possible. Allez, voilà. Au moins une momie. Allez, hop. Au moins... C'est bien. On continue comme ça, les copains. Voilà, toi, tu fonces dans le mur. Ah bah, c'est bien. J'avais pas vu qu'il y avait du feu. Ça m'aurait arrangé, en fait, si j'avais vu ça. Là. Ouais, j'attends. Vas-y, enlève ton seau. Voilà. C'est bien, c'est parfait. Non. Mais bien sûr. Il y en a un qui a repris un sou. Très bien. Allez, un fantôme de plus en moins. Mais je suis devant lui, mais... Bien. On avance. Mais il y en a toujours. Ah, oula. Quel enfer. Mais quelle mission horrible. Et tant que ça se termine. Tant que ce jeu se finisse. J'en peux plus. Il a repris le... Attention. Mais bien sûr. Mais j'avais pas le choix. Oui, mais il est content. Tarzan des fantômes. Ah non. Oh, c'est l'horreur là. Je me vois pas recommencer ça, véritablement. Donc il va falloir faire très
attention. Très attention aux... aux fantômes jaunes. Voilà. C'est bon ? Non, il veut pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Ok, ok, des guerriers fantômes. Il a repris le... Ah, attention ! Voilà ! T'as plus de... Attention, il est où l'autre ? Il est là. Ok. Personne ne me donne de cœur. Non, 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 là, c'est une mission... Heureusement que j'avais l'os. Sans l'os. À moins qu'il y en ait dans les citrouilles, là, par terre. C'est bon, ça. Mais c'est bon, ça. Allez, on fait attention. On fait très attention. On y va pas à pas. Voilà, on se recule. Tranquillement. On a plus d'espace que tout à l'heure. Voilà, on tourne autour du fantôme. Ok. Peut-être que c'est le dernier, je ne sais pas. Voilà, ce coup et encore un autre, et on a terminé. Ou pas ? Ah non, il y a le bout. Le roi bout. Ah, ça y est. Hello. Bravo, Luigi, encore une fois, tu as réussi. Tu es devenu un véritable héros. Bien sûr. Cette plaque craquée, oui, oui, il y en a plein. C'est bourré. Ciao. C'est bourré de fantômes dans le sac à aspirateur. Enfin, cette mission est finie. 52 fantômes capturés. On n'en a jamais capturé autant ici. On passe. Alors, faites voir un petit peu. Nouvelle masse spectrale. Pareil. Butin. On n'a pas pris tant de butin que ça. Hein. T'avais tort contre Maxibou, a dû mettre le roi boire de lui. J'imagine qu'il a envoyé cette armée de fantômes contre nous pour se venger. Très bien. Le portail paranormal, il est toujours ouvert, bien sûr. Ça pourrait ne pas durer. Il fait penser à un Ewok. Ou un Gremlins, quand il parle. Le défaut de l'armure. Je pense que c'est la dernière mission de ce manoir. La maison des collections. La terrasse, évidemment. La fameuse. Mario, mais évidemment, Mario. On va passer. On peut passer. Non, on peut pas passer. C'est le chargement. Oh, Mario.
récupérer le fragment de la lune noire. Ça a l'air beaucoup trop facile comme ça. Bataille contre les armures. Les tapis. Oh, les tapis, les gars. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut faire les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Sans quoi on est fichu. J'ai l'impression. Donc les deux en même temps, très bien. Je vous attends toutes les deux ici. Allez. Ah mais non, ça va pas là. Je peux pas choper le tapis. Pourquoi? Ah. Maintenant vite. Ah, trop tard. Tu as de la vie à l'infini pour l'instant. Ok, séparation. 3 clones. 2 clones. Les armures, est-ce qu'on en a? On en a 3, évidemment. 3. Venez toutes ici. Je vous attends. Non, mais là, toutes les pieds ici. Oh là là. Oh, quel enfer. Faut avoir les yeux partout, ouais. Ok, on est pas mal. Ah, vite. Mais non. Ouais, ça. Je me suis pas fait toucher. Bien sûr. Si ça me donne des cœurs comme ça à chaque fois, je prends. 4, donc 4 armures, je crois, je pense. Là, je me demande bien ce que Luigi peut faire avec son aspirateur. Mais on va voir, il peut nous surprendre. J'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai compris. Je pense avoir compris. Oula, attention. Oula, il y a tout qui tombe. Ok, très bien. Vas-y. Oui, pourquoi pas. Hop, Bah, il faut faire les deux pieds peut-être. Allez, deux pieds je pense. Ouais, oula, je me suis fait un truc. Oula! Attendez, je vérifie, hop. Et l'autre, l'autre, il faut qu'il soit assis sur le tapis, hein, mais. Ouais, il est pas sur le tapis. Comment on peut faire? Ah, il faut que. Voilà, il faut faire ça. On va lui mettre un pied là-dessus. Ah, mais du coup, t'as plus de pied sur le tapis, toi. C'est fâcheux.
Et si on faisait croiser les jambes, comme ça, hop, déséquilibre. Et je me suis pris un truc sur le point du crâne. Ah, mais attendez, comment? Non, mais c'est pas possible. Je peux pas l'éviter, des choses qui arrivent par le haut. On n'a pas de vue du haut. Non, quel enfer, quel enfer. Là, trois coups. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais, vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, un méga fantôme? Non, c'est le même. Ah, ok, non, c'est bon. C'est bon. Et donne-moi des cœurs. Parfait. Ah mais c'est bon, on a terminé. Yes, le dernier fragment de la lune noire. Excellent. Téléphone de catastrophe, évidemment. Yellow. Tu as réussi, mon garçon. Tu as récupéré le dernier fragment de la lune noire. Je vais essayer de te faire sortir de cette illusion. Est-ce qu'on a encore une chose à faire après? Parce qu'on a tout récolté, mais il n'y a pas eu de gros... Si, il y a eu un combat, mais c'est pas un gros combat. Donc on va voir. Bien, qu'est-ce que tu me racontes, petit Ewok, petit Gremlins de catastrophe. Ah. On est où? Le roi Bou, évidemment. Mario. Mais c'est ce bon vieux Luigi que me vaut l'honneur de ta visite. Te souviens-tu de notre dernière rencontre? Moi, oui, c'est même un sacré souvenir. C'était le jour où tu avais décidé de m'enfermer dans un tableau miteux pour l'éternité. Comme tu vois, l'éternité, c'était un peu trop long pour moi. Alors j'ai décidé de sortir prendre l'air et de semer la ruine et le chaos pour me détendre un peu. Sympa comme passe-temps. Kemin, la lune noire, ah oui, c'est moi qui l'ai brisée, bien sûr, ce n'était pas très difficile. Figure-toi que le joyau qui orne ma couronne décuple aussi mes pouvoirs, plutôt cool, non? En plus, maintenant, je contrôle tous les fantômes de la vallée des ombres. En parlant de royal, il est temps pour moi de devenir le souverain suprême de ce monde. Quant à toi et tes amis, je vous réserve une place dans le cachot de mon donjon. C'est parti pour l'affrontement final. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Ouais. Appeler. Est-ce que je peux? Non, je peux pas les aspirer, ces trucs. Ah, peut-être qu'il faut que je... Ouais, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ouais, tu vas me tomber dessus? Je m'y attendais. Thank you.
faut que je fasse rouler ces boules piquantes sur lui. Donc c'est un fantôme, est-ce que ça va toucher? Tu vois, j'attends pour l'instant. D'accord. Oh, ok, c'est bon. Attention, ces petites bestioles par terre. Ah, mais c'est une bonne nuit, Ok. Si on gère bien, on peut l'avoir en une fois. Ouais. Voilà, pour ce coup-là. Vite, j'ai pas vu. C'est Indiana Jones. Qu'est-ce que je fais avec sa main? Ah, je fais. Ah non. J'ai des fichus. Ok. Ok. Derrière. Dessus, ça ralentit, c'est quoi ça? C'est la neige. C'est tellement piégeux. Bien sûr, 40. Ah, mais ça ne savait rien. Je prends. Second round. Qu'est-ce qu'on attend comme ça tous les deux, toi et moi? Est-ce qu'il faut que j'aspire? Peut-être. C'est du sable? Je sais pas ce que c'est. De la glace à présent. Ok. Tu m'as fait un petit. T'es pas chassé. Ah, ok, c'est bon. Vas-y. Voilà. Allez, on est reparti. Attention, on essaie de l'avoir comme tout à l'heure une fois. Oui, mais ça va pas. Évidemment. Ouais, et c'est là que apparaissent les boules. Comment ça se passe? Ouais, viens avec moi, viens là. Prends-le. Ah, dommage, à côté. Ça y est, viens. Voilà. Attention. Bien. J'ai mieux géré tout à l'heure. Viens ici. Viens là. Voilà. Et on se retourne. Et on attend. Voilà. Ah, dommage. Allez. Toujours pas, bien sûr. On se poursuit à nouveau. C'est reparti. Avec la bruit de la scie. Ok.
tout cas bien sympa, j'aime bien cette partie. Bah, c'est mélangé, donc c'est bien. Partie baston sur le ring et partie course poursuite ici. Qui change en plus, là on est un petit peu dans le noir. Mais j'ai pas besoin. Oh, 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 ça glisse, au patinoire, attention. Ah mince, c'était là. J'ai le doigt qui glisse, attention, oh là là, les tiroirs qui s'ouvrent. Parfait. Rebelote. Troisième et dernière fois peut-être. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, vilain. Viens. Attention, c'est quoi ça? Oh, c'est là-haut. Ah, trop tard. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ces piques? Il y a des piques ici. Ok, et là, alors attention. On regarde bien. C'est où? Et c'est pas trop mal. Non, c'est trop loin. Ça va tomber à côté. Eh oui. Ah mince. En plus, il y a ça. Voilà. Allez. On va où? Voilà. Allez, viens là. Viens là, viens là, vite, vite. Oh, il y a des pics derrière. Mais bien sûr, il y a des pics derrière. Oh, je me fais avoir comme un bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me prendre un sur le coin du nez. Bon, les plaques de glace plus les pics là, ne mettre pas trop. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Il est là. Non, c'est passé à côté, mince. Elle était si bien partie dans ce combat. Bon. Oh, quelle catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Vite, vite, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà, et ben. Allez, mais attendez, c'est pas terminé, on a encore des choses là. Voilà, allez, 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 allez. Voilà, il faut pas que je laisse te taper. J'aime. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. C'est tendu, hein. La fin de ce combat est tendue. Ok, on regarde bien au sol. Où sont les points rouges? Là, là, ils sont 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 là. C'est trop tard, c'est trop tard. J'avais un cœur devant moi. Ah, l'échec. Ah, je suppose qu'on recommence du début du combat. J'en ai bien peur. Ouais. C'est le début. Ça va aller vite. On a compris. On a compris. Attendez, les points sont où? Là, allez bien. Attention les... Bien sûr. Salut la peste Mojo, comment vas-tu? Là, ouais, non, tu vas. Eh oui, il est skippé, le bougre. Ça va, merci. Est-ce que t'as vu ce que j'ai dit concernant les streams? Alors, du coup, je sais pas trop, parce que cette info a pas été vraiment relayée partout. Concernant la nouvelle politique, la politique de chez Nintendo. Donc,
gros médias n'en ont pas parlé. Ça me paraît assez bizarre quand même. Parce que logiquement, si on suit ce que j'ai vu, on devrait ne plus pouvoir streamer de jeux Nintendo nulle part. Entre autres. Salut Alex Bros, tu vas bien? Ah, t'es là pour le final. Allez. Allez. Ça, c'est bon. Ok. Ça va être toi, Alex Bros? T'as vu, t'as l'impression qu'il te part surtout des émulateurs, des diffusions qui peuvent porter préjudice. Ouais, mais en fait, c'est vraiment des streams de manière générale. Hein. Si on regarde bien ce qui est écrit. Après, il y a des zones d'ombre un petit peu. T'as zappé le meilleur niveau du jeu. J'avoue que le manoir est bien sympa. Hein. Ce manoir, la maison des collections. Vraiment chouette. Ouais, du coup, affaire à suivre hein, concernant cette nouvelle. Alors, j'espère. En soi, j'espère que ce soit une espèce d'extrapolation qui n'est pas vraiment une véritable info, donc en gros une fake news, on va dire ça. Mais voilà. Moi, ça ne m'étonnerait pas. De la part de Nintendo d'empêcher la diffusion de son contenu vidéoludique. Attention. Ah, c'est pas grave. On aura des cœurs après. Vite! Ah! Dépêche-toi, petit Luigi. Rien dit clairement que Nintendo interdit totalement le stream. Oui, enfin, dans ce qu'on a lu. En fait, c'est pas ça, c'est que si t'as le cas, on se fait bannir de la plateforme de diffusion, que ce soit YouTube ou Twitch, ou le reste, hein, je pense, parce que c'est pareil. Hein. Donc en soi, ça revient au même. On peut, mais on peut se faire stopper. De ce qu'on a lu, attention. Okay. Attention, le gros vient vers nous là. La grosse boule. Évidemment. Ça va pour toi, les brosses. Attention. Donc, c'est la troisième partie qui est la plus délicate, évidemment. Pour l'instant, là, ça va encore. Là, viens là, vite. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais, grenouille? Attends. Ah. Très bien. Ah. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que j'en ai pensé de la mission E5? Attends, la mission E5. Oh, c'était l'enfer. C'était la poursuite. Tous les fantômes dans toutes les pièces, c'est ça? Enfin, dans les pièces concernées. Oh, j'ai recommencé deux fois. Donc, en gros, je l'ai fait trois fois cette mission. C'était l'enfer. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Non. C'est la meilleure mission pour toi. Ah ouais, c'est marrant en fait, une fois après, si on la recommence. Oh, je l'ai fait trois fois du coup. Ouais, donc du coup, demain je voulais commencer la Master Quest de Karina. J'ai dit que. C'est pas possible ça. J'ai dit que je mettais en attente pour l'instant en stand-by, mais je sais pas en fait, je vais voir, je verrai demain. Est-ce que je la fais vraiment ou pas? Est-ce que, voilà, je sais pas du tout. En fait, je sais pas là, je suis dans l'expectative. Avec cette espèce de nouvelle qui n'en est, j'en sais rien. Bon, on va peut-être pouvoir avancer, hein? Qu'est-ce que t'en dis, petit bout? Là, voilà, tu bouges pas. T'es bien, là.
En plus, c'est le gros truc, donc ce qui fait que on va nous embêter. Ok, ça c'est fait. Allez, on passe. On est presque au bout. Attention, t'es embourbé. Il faut rien. Ok, ok, ok. Ça c'est bon. Derrière, derrière, derrière. Oui, derrière, tu perds trop de temps. Allez. Dernière ligne droite. T'aimes bien voir les gens galérer. C'est le côté sadique des viveurs, ça. Il est sympa, le remake. Il y a quand même des petits points noirs que... Voilà. Ah, c'est là-haut. Vite. Trop tard. C'est bon. Mais il est sympa. Je connaissais pas, donc je suis bien heureux d'avoir découvert ce jeu. C'est là. Allez, bon là on cesse pas à battre. Vas-y, vas-y, saute, saute, saute. Voilà, attention. Parfait. Reste là, tiens. Ah, viens là, viens là, viens là, viens là. Et trop tard. Là-bas, là-bas, là-bas. Viens, 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 viens. Et là, clac, stop-toi. Yes. Ok. Est-ce qu'on peut l'avoir tout à l'heure? J'ai réussi. En une fois à le... Et non. Et non. Et non. T'as acheté Astrobot aujourd'hui? Alors, dis-moi tout. Mince. Ah, je veux ton ressenti à chaud. Il fait surchauffer la PS5. Ah ouais, carrément. On va pas pouvoir jouer avant qu'elle soit réparée. Ah mince! Ah, j'avais pas lu la fin du message. Ah bah, je suis écouté pour toi déjà, parce que d'avoir Astrobot et puis de pas pouvoir y jouer, c'est quand même ballot. C'est quand même ballot. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. Non mais, tu te fiches de moi. Parfait, allez hop. On est bien parti pour... hein, on est bien parti. On est bien parti, on est bien parti, on est bien parti, attention. Ok. Ah, la grenouille, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Mardi peut-être. Bon, j'attends ton ressenti. J'ai vu du gameplay, ça me donne envie. En revanche, moi ça me fait énormément penser à Mario. Il y a beaucoup de gameplay qui me fait penser à Mario. Ça sent la grosse inspiration. En même temps, il est où? Il est où? Il est là. Oh, parfait. Tu es en plein dessus. Excellent. Attention à la grosse bougoule. Est-ce qu'on va le terminer? Ah, verdict. Oh, ça y est, je crois qu'on l'a eu. Oui, vous aurez essayé. Yes. Ah. Merci Alex Bros pour ton bravo. Yes. I did it, tu peux le dire là, mon grand. Tu peux le dire. Ah, Ardre, qu'est-ce qui se passe? La musique de Mario. Un petit peu
différente. On dirait un Ewok. La façon de parler, le langage. Mario, t'arrives au moment parfait, tout à fait. Ah, c'est la voix de Charles Martinet encore. C'était la voix de Charles Martinet. Ça y est, la lune noire est enfin complète. Mais je me souviens plus, je crois qu'il faut calmer les fantômes, hein, c'est ça? C'était un petit peu speed au début du jeu, il me semble. Un peu trop. Supernova. Il est en train de manger son pote. Ça se mange pas un pote. Faut le savoir. Ne faites pas ça chez vous. Il est mignon, lui. Bien joué, mais une... Attends, je vais l'afficher, ça. Mais une compote, oui, évidemment. Bien vu, la peste mojo. Doggy, doggy. À un moment, il disait bad doggy. Quand il lui piquait sa clé. Thanks, my bro. La photo, évidemment. Elle est chill, tout le monde. Et on dit Luigi. Enfin la retraite, jusqu'au numéro 3. Donc maintenant je comprends d'où vient l'ectochien dans le numéro 3. Voilà. Briser l'illusion. Grade de 2 étoiles, ouais, peu importe, on l'a réussi. Chapeau à ceux qui arrivent à tout avoir, et toutes les gemmes, et les grades les plus élevés, et tous les bouts, basé sur le travail de l'équipe de développement de la version originale sur Nintendo 3DS, on le rappelle. Eh bien, j'ai bien aimé ce jeu, j'ai été content de le faire, de le découvrir. Surtout en version remasterisée sur la Nintendo Switch. Quelques petits points noirs, voilà, qui m'ont parfois un petit peu frustré, mais en soi un bon jeu. Je dirais que c'est le moins bien des trois. Moi, que j'ai commencé avec le 3, donc je mettrais, je sais pas, parce que j'ai fait le premier, donc j'hésite entre le 3 et le premier. Le premier, peut-être pour ceux qui ont la nostalgie, serait le numéro 1 des Luigi's Mansion.
je mettrais peut-être le 3, moi. Voilà. Parce que j'ai pas eu de nostalgie là-dessus, j'ai pas joué à l'époque, il y a 20 ans. Numéro 3, numéro 1 et numéro 2. Mais en soi, l'ensemble est superbe. L'ensemble est bien, bien, bien sympathique. Ouais, quand t'as pas nostalgie, bah. Je l'ai trouvé sympa, hein, vraiment. Et il faut se mettre dans le contexte. C'était il y a 20 ans. Donc déjà, voilà, pour un jeu d'il y a 20 ans, c'était vraiment superbe. Moi, j'ai connu des jeux d'il y a 30 ans, etc. Donc voilà, j'arrive à me remettre dans le contexte. Non, mais j'aimais bien dans le premier le principe de trouver les points faibles de chaque gros fantôme. Des pièces, par exemple, dans le conservatoire, la cuisine, ça j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'il n'y a pas ici. Très peu. Non, il n'y a pas. Il n'y a quasiment pas. Oui, en même temps, c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Oui, il y a ça, alors ça, c'est dommage. Il y avait des espèces de petites peluches mini Yeti, voilà, bébé Yeti, dans le chalet, mais qui ne servait à rien. C'est dommage. À part. J'aimais beaucoup ces bestioles, et j'ai l'impression que ça n'avait aucun intérêt dans le développement du jeu, enfin, dans le développement de l'histoire. Dommage. Oui, LM2 est un jeu de console portable. Bah, il est plus court en même temps, il n'est pas si court que ça. Hein. Il est pas si court non plus. Ah, on peut passer? Je sais pas. On regardait tout le développement, le déroulé du. Et bien voilà. Luigi's Mansion 2 HD, c'est terminé. Ça y est, on l'a fait. Du coup, je sais pas trop sur quel pied danser en ce moment. J'ai baissé un peu le son du jeu. Attendez, je vais mettre comme ça. Il est ouf. T'es là. Je sais pas trop sur quel pied danser quant au planning. Parce que je sais pas trop si je dois vraiment prendre au pied de la lettre l'info que j'ai vue, qu'on peut voir sur la nouvelle politique de Nintendo concernant les streamings de leurs jeux. Donc je sais pas trop. Demain après-midi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais Zelda Ocarina of Time Master Quest comme c'était prévu? Est-ce que je fais autre chose? Je sais pas. C'est un peu le problème avec les infos du net. Hein. Voilà. Tu as mappé pour une compétition Trackmania, c'est-à-dire tu as créé une carte pour une compète, c'est ça? C'est la surprise, d'accord. Tu as créé une carte, bien. Bien, super. Super. De 6 minutes en plus. Donc une grosse carte. Trackmania, ça va très vite, donc il faut beaucoup de. Ouais. Grosse carte, j'ai l'impression. Enfin voilà, bon, et bien ma foi, aujourd'hui, on a réussi à terminer Luigi's Mansion 2. Comme je disais, je ne sais pas, parce que j'ai mis en place dans ma tête un déroulé des jeux, là, dans l'ordre. Elle est lourde, la carte. Très bien, très bien, très bien. Je voulais faire, après celui-ci, donc Super Mario Galaxy 2. Peut-être que je vais le faire. Ce serait vendredi prochain. Ou demain. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je vais vous tenir au courant. Je ziote de près cette nouvelle qui. Je sais pas trop ce que ça va devenir, ça, cette nouvelle. Je sais pas ce que. Voilà. Je me renseigne. Et puis, logiquement, on se retrouve demain après-midi. Sur quoi, je ne sais pas encore. Je verrai demain. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play en entier, Luigi's Mansion 2 HD. Merci Alex Bros, t'as été là très souvent pour ce jeu. Le déroulé de ce jeu. Merci la Peste Mojo, qui est là très très souvent, évidemment. Écoute, on se tient informé pour cette histoire de. Enfin, moi je me tiens informé en tout cas pour cette histoire de Nintendo. Hein, parce que bah, nous, on aime les jeux Nintendo, donc je trouverais ça dommage
que ça vienne se mettre en place. Je trouve que c'est assez fédérateur. Puis ça participe à la renommée, je trouve, de cette firme. La renommée des jeux de cette firme. La pub gratuite. Enfin bon, c'est pas nous qui décidons. Donc on verra bien. Voilà. Eh bien écoute, avec plaisir aussi, Alex Bross. T'es arrivé sur la fin, tout à fait. Bah t'as vu le méga combat. Tu seras à l'heure pour Zelda, alors je sais... tu parles de mardi ? Ah oui, c'est vrai, mardi. Pour mardi, il faut que je... il faudrait qu'en off, j'atteigne la fin du temple de l'enfer. Du roi des mers. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Parce que j'en peux plus de ce temple. Il faudrait au moins que je le finisse. Voilà, il faudrait au moins que je finisse ce jeu. Donc pareil, il est possible que... qu'on finisse... comment ça s'appelle, Phantom Hourglass, la semaine qui arrive mardi. Et si on n'a pas terminé, parce que je sais pas, je pense pas qu'on ait terminé mardi soir, peut-être que je terminerai courant de la semaine, je sais pas, tout est chamboulé, je verrai au jour le jour. Voilà, en tout cas oui, mardi Phantom Hourglass. Ben oui, mais c'est un peu le problème, c'est que j'aime pas me dépêcher, en fait j'ai pas envie de me dépêcher. Moi, ça m'embête, pour parler poliment. Ça m'embête, c'est pour ça que je veux quand même attendre d'avoir un petit peu confirmation de ce que j'ai vu, de ce que la presse, enfin de certaines presses, attention, la presse, c'est pas la presse en général, de l'article, plus des gens qui ont relayé cet article sous format vidéo YouTube. Est-ce que ça s'avère ou non ? Voilà, si c'est vrai, ben voilà, attends, on n'a pas le choix. C'était simplement une extrapolation de quelqu'un pour écrire un article. Bon, ben voilà. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et si t'as besoin d'aide, n'hésite pas pour le temple du roi des... Tout à fait, des merdes. J'ai dit tout doucement. Ouais, on n'en peut plus de ce temple. On n'en peut plus. Je n'en peux plus. Et tous ceux... Enfin, vous, toi, Kictus, la Passe Mojo... Il dit que c'est vraiment le temple qui vous rebute, hein, quand même. C'est la partie qui... ouais, c'est dommage. Qui vous empêche parfois de retourner sur le jeu. C'est triste. Enfin bon, c'est comme ça. Ils l'ont fait comme ça. Ah tiens, on n'a plus de son. On n'a plus de... La musique est terminée sur... LM2 HD. Et ben voilà. On terminera donc là-dessus. Merci à tous. Excellente fin de soirée. Très bonne nuit, et on se retrouve demain après-midi sur je ne sais pas quoi, on verra. Ciao, ciao!